Vous allez pas donner conseil à cette personne, jamais va vous écouter.
l'esprit, le démon là, est plus fort. Le démon la contrôle. Alors, la sorcellerie est un démon. On appelle ça l'esprit de la sorcellerie. Mais c'est un esprit du méchant de la sorcellerie. C'est pour ça que quand l'esprit possède une personne, elle fait qu'il fait des dégâts. J'arrive à comprendre les gens parce que j'ai fini par comprendre l'origine des esprits de la sorcellerie. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire « Ah non, j'aime la sorcellerie, je vais l'acheter. » En fait, quand ils sont prêts dans la pratique, pour augmenter leur grade, leur force, ils sont obligés de faire des trocs. Mais ils savent, ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire dangereux. Mais qui peut les faire sortir de là? Parce qu'ils sont possédés l'un de l'autre. Et quand on a ce démon-là, on ne fait que tuer. On est gâté qui gâte. Donc une personne a un démon de la sorcellerie. Vous allez voir dans son caractère l'hypocrisie. Cette personne est très hypocrite. Elle fait semblant d'être avec toi. Elle aime bien mentir. Ça c'est normal parce que l'esprit de la nuit, c'est l'esprit du diable. Le diable étant le père du mensonge. Et tout normal de mentir. C'est ça ce qu'on dit. Des gens malades, sans les gens malades, ils aiment critiquer, ils aiment garder rendu, ils aiment se venger, mais c'est un peu les traits de quelqu'un, le caractère de quelqu'un qui a l'esprit. Ils ont le côté spirituel, c'est que la nuit se lève, et va. Mais notre nom, qui est un nom spirituel, forcément la personne est au rendez-vous. Elle n'est pas au rendez-vous, on l'interpelle. Oui, on l'interpelle. Pourquoi tu n'es pas venu? On peut même te tuer pour ça. Et quand tu es dedans, tu ne dois plus expliquer ce qui se passe de l'autre côté. C'est comme la mafia. Tu dis le secret, on te tue. Vous allez entendre les gens dire, on m'a initié, on m'a fait asseoir, on m'a donné la chair humaine et le sang de l'homme. Tu voyages aujourd'hui. On m'a donné le sang humain, la chair humaine, et on me dit, je n'ai pas dit. Et quand tu nous dis, tu dois forcément donner quelqu'un. J'ai un pacte, je dis. Et quand c'est comme ça, c'est fini. Je suis contrôle, ça va être. Ta vie est contrôlée, tu n'as plus de volonté. Et c'est ce qui est bizarre, c'est que j'ai dit qu'il est intelligent. C'est lui, on dit, parle. Tu dis, non, tu dis, ah, le Dieu est donné pour moi. Tu n'as pas mangé. Il venait de maman et les autres. Tu vois, il pleure. Hein? C'est mon fils pour manger. Oui. Elle-même, elle mange, elle pleure. Le jour, il a trouvé pour toi et manger aussi. Je mange son fils. Pourquoi? Parce que quand on se nourrit, on s'alimente de la chair, qu'on appelle la chair humaine. Parce que c'est l'âme, on s'agit là de l'âme. Et la Bible déclare que l'âme est dans le sang. Donc pour renouveler la force satanique, il faut manger l'âme. C'est pour ça que vous voyez que les sorciers durent longtemps. Si sa vie devait faire 10 ans, 10 ou 4, les 4 la prennent 5 ans 5. Ils ont le pouvoir de connaître ton devenir, ce qui va devenir demain. Et ils le savent. À partir d'un contact physique, il peut contrôler ta vie. Vous voyez, la sorcellerie, vous voyez, c'est une science. Aujourd'hui, qu'un sorcier veut poser, il veut avoir contrôle sur toi, il suffit seulement d'avoir le contact physique. Il parle. C'est pour ça que moi, avant de sortir de ma chambre, j'ai des paroles que je prononce sur mon corps. En fait, celui qui a contact avec moi, il a des problèmes. Aujourd'hui, même les satanistes, les francs-maçons, eux travaillent avec les cartes qu'on appelle les cartes de visite. Ah, faut m'appeler un tel cas de visite. Donc, que tu me mets dans ton porte-monnaie, ton portefeuille, ils ont contrôle de ton argent. Ce qui en eux là, c'est ça, détruit. C'est pour ça que si ton parent est dans la sorcellerie, il faut l'encourager à quitter. Non, on vous accuse, on l'accuse pas. Pas parce qu'on n'aime pas. Mais ce qui en lui là, détruit. Quelqu'un qui dit non, j'ai tué. Et vous allez voir difficilement les sorciers en train de faire des aveux, c'est difficile. Parce qu'on ne dit pas ce qui se passe de notre côté. Donc le monsieur veut être rassuré en faisant les aveux, est-ce que c'est sûr qu'il est en sécurité? C'est ça qu'il faut l'encourager, il faut l'aider.
faut pas condamner. Amen. Quand vous voyez quelqu'un en train de voler, c'est que l'esprit, la personne a l'esprit du vol. Comme la kleptomanie, c'est un esprit. Il y a des gens qui peuvent voler facilement. Derrière un péché, c'est caché les gens. Moi, je ne peux plus se maîtriser. Mais les gens, l'argent des gens, ils ont mis de dépenser. Ça veut dire. Ça ne fait même pas peur. Ils s'en fichent. De tout ce qui va arriver, ils s'en fichent. Qu'ils soient réunis ou pas. Il y a un démon en toi qui te donne l'esprit de vol. Amen. C'est ça qu'on a besoin à tous les niveaux d'être délivré d'un esprit. Même le blocage. On peut hériter d'un démon de famille. Il y a des esprits de famille. Ou dans la famille de certaines personnes ne doit pas se marier, c'est un esprit. Tu as le contact avec certaines personnes, c'est pas que c'est le monsieur est bon. Mais le fait qu'il soit un contact de la parole, l'esprit là ne te fait pas que tu te maries. Moi, ça va crier des palabres. Oui, il y a l'esprit de pauvreté. Mais les gens n'ont jamais mis 100 000 francs dans leur vie. Vous savez, ils n'ont jamais touché 100 000 francs. J'ai demandé une fois à une soeur, j'ai une fois vu, il a dit, j'ai voisin au sac, c'est où j'ai voir un million. C'est où? Million, mais c'est où? C'est arrivé dans ta famille comme ça, pour des fois que tu sois riche. Donc quand tu arrives à l'extérieur, tu sors, ça fait quatre. Ben, les gens ne vont jamais mettre ton côté pour la même épargne, pour arriver à un million. Dès que ça va entendre les 500 000, dès qu'il y a un esprit de pauvreté qui te suit. Et vous savez que le pouvoir de la terre, c'est l'argent. Là où il n'y a pas d'argent, il y a pouvoir. Même si on est frère en Christ, sœur en Christ, on prie bien. S'il n'y a pas d'argent, c'est la petite palade qui va crier. Donc, il y a des esprits que vous devez attaquer. Nous devons chaque jour attaquer. Amen. Amen. C'est pour ça que par moment, quand nous délivrons même les sorciers, vos parents sorciers que vous envoyez, ils font des aveux, ne les condamnez pas. La Bible a dit, nous n'avons pas lutté contre le sang et la chair, mais contre les esprits. C'est contre les esprits. C'est pour ça que tout à l'heure, dans la séance de délivrance, j'étais en train de lutter contre l'esprit. Je n'ai pas donné l'argent comme ça, j'ai besoin de lui dire, non, toi on t'aime. Nous t'aimons bien, mais c'est l'esprit qui en toi. Ça m'a vraiment fatigué, c'est un combat. Et là où l'esprit est chassé, il se manifeste. Derrière une maladie, tu as un démon. Une maladie qui a un démon. Parce que les démons sont les démolisseurs de lui. Amen. Et là, quand quelqu'un est démon de l'esprit de mort, dans tes rêves, tu vas commencer à voir des personnes mortes dans ton rêve. Tu vois des personnes mortes, en train de manger des personnes mortes déjà. Il faut commencer à parler, commencer à combattre l'esprit de mort. Vous voyez, tu n'es pas loin de la mort. C'est pas bon d'être en contact avec les morts. Amen. Alléluia. Amen. On a tous besoin de délivrance. Amen. C'est pour ça que pendant que je suis en train de délivrer une personne, nous devons encourager le de la délivrance. Moi, quand les gens parlent, quand les aveux, on condamne les gens. Non, il faut aider les gens. L'Église ne doit pas se condamner. Regardez cette femme qui avait l'adultère. Chose bizarre. L'adultère, en fait, avec deux personnes. Pourquoi c'est la femme en présence de Jésus? Monsieur les bâtiments. Hein? On doit bien attraper une femme en garde de l'île d'adultère, mais celui-là est qui? Elle a fait l'adultère, il est où? Jésus a regardé jusqu'en, il dit, celui qui n'a jamais baisé, hein? Il a rajouté. Chacun regarde comment il a cherché le pomme de son maman, il est. Comment on ne va pas attraper là? C'est ça. Il y a le Saint-Esprit à quoi ça peut travailler? Chacun est pas ici. Moi-même, là, il y a fini ça. C'est pas moi, on m'attrape, sinon on met fini ça. Il ne cherche pas de rien qu'elle va dire, vas-y, non. Jésus dit, comment ma part ne t'a pas aussi condamné? Non, je ne te condamne pas. Vous voyez? Donc l'Église ne doit pas condamner. Ne doit pas condamner. Et malheureusement, les gens, on n'aide pas les gens dans nos églises. On les condamne. Alors qu'on arrive aussi l'esprit de sorcellerie, c'est fini. On est braqué contre la personne. On dit, mais comment tu la personne? Comment tu peux manger chez humain? Hein? Comment tu peux manger chez humain? C'est moi qui garde. C'est moi qui arrive de garder.
ce qui en elle est plus fort qu'elle-même. C'est un démon. Elle est possédée, la personne est possédée, elle est contrôlée par un démon. Il faut l'aider. Amen. Les gens ne se confient pas à vous. Parce que vous les condamnez. Au lieu de les aider. Ici, nous écoutons les sorciers. Pour les aider, on va tomber la sorcière. Dans d'autres églises, on prend Rameau et puis on dit chicot. Dans d'autres églises, on dit, vous ne pouvez même plus parler, mon sorcier là. Parle pas à elle. Vous allez avec elle, cela va prendre ton âme. Vous ne rendez même plus visite à tes parents. Non. Si la personne est sorcière, franchie là, pourquoi va prendre tout ce qui est en toi est plus fort que ce qui en est? C'est ça. Le chrétien, il a un esprit très fort. Ce qui est en nous, c'est la puissance de Dieu. Jamais je n'ai dit à quelqu'un, comme ton parent est sorcier, n'appelle plus. Non, non, non. Jamais les gens comprennent que Jésus est puissant. Souvent les gens m'appellent, on dit tu n'es pas venu en Afrique parce que mon papa veut me manger quand je vais arriver en Afrique. J'ai dit le pasteur qui t'a dit ça, il ne connaît pas la sorcellerie. Ils avaient le sorcier qui est allé me manger à Paris. Et ils veulent vous maintenir là-bas pour manger votre argent. Il faut encourager les gens à comprendre qu'eux-mêmes, ce qui en eux est plus fort que la sorcellerie. Amen. Alléluia. Alors si vous avez une personne sorcière, vous devez l'aider, de la frapper. Vous devez l'aider. Sinon vous frappez le corps physique, mais l'esprit est là. Vous me chassez le démon. Peu importe le temps que ça va faire, mais aidez dans vos maisons. Si vous trouvez des enfants même qui ont l'esprit de la sorcellerie, vous devez les aider. Et les seules personnes qui savent qu'un enfant est un sorcier, c'est fini. On ne donne plus manger à l'enfant. Il a peut-être droit à un repas, on met un chien. Elle doit passer là pour donner un chien à l'enfant. On oublie de mettre l'enfant sur le chef, l'enfant va mourir bien. Tu n'es toi, tu as quel truc. Tu es révérend, tu es quoi. C'est toi qui dois donner un chef, sec à un enfant. Amen. Nous devons aider les gens. Les gens sont possédés. Ils sont malades. Ils n'ont plus de volonté. Ils sont malades. Il faut les aider à abandonner cette pratique. Si notre fils, cet esprit-là nous anime, nous avons délivré beaucoup de maisons, beaucoup de familles. Parce que si nous condamnons ces personnes, elles ne viendront jamais vers nous. Jamais. Jamais. Amen. Jamais. Quelqu'un qui est possédé d'un tumeur va t'insulter. Quelqu'un qui est possédé va mal se comporter avec toi. Parce que l'esprit, quand même, ne va jamais te supporter ta présence. Mais toi, tu dois manifester l'amour. Beaucoup d'amour. Amen. Amen. Que Dieu vous aide. Moi, qu'est-ce qu'on me dit pas? On me prend comme Kabakuru, on me mange, on me jette là-bas, on me fait ça. Mais moi, je m'en vais, je continue avec beaucoup d'amour d'ailleurs. On se tient debout pour parler, nous allons prier. Chacun va prier. Demandons au Seigneur de le délivrer. Amen. Tu vas demander à Jésus de te délivrer. Là où il y a blocage, là où il y a un esprit quelqu'un de célibat, là où tu n'arrives plus à avancer, c'est qu'il y a un démon. Non. Parce que quand tu es possédé, ton impuissant, le site de la frustration, tout est bloqué, tu n'arrives pas à avancer, il y a un démon. Dieu t'a créé pour que tu avances. Ce n'est pas une question de vivre à l'église. Quand tu vas à l'église, tu es prospère. Non, nous devons prospérer aujourd'hui. Parce que le Dieu que nous prions, le Dieu de la prospérité. Amen. Tu vas parler au démon qui t'empêche d'avancer. Tu vas parler à ce démon. Alléluia. Amen. Qui est prêt? Ce matin, parler à un démon. On est d'accord? Vous allez voir, quand vous commencez à parler au démon, on s'est manifesté. Quand il dit ça, il va se passer. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas parler comme tu savais faire à quelqu'un. Qui voulait t'ôter la vie, tu vas commencer à parler à quelqu'un à l'esprit et te dire, je ne suis pas content de toi, je ne suis pas content de ce que tu es en train de faire dans ma vie. Dégage, parle. Amen. Amen. C'est pas un Seigneur, demande ça. Une fois, quelqu'un faisait des délivrances.
démon l'a mangé son doigt, le possédé. Oui. Il dit, mais comment tu peux fermer les yeux et aller faire un démon? Je parie les démons, ils sont des camarades. Il a fait des. Mais moi, il est fâché, mais je dis les papiers. Amen. Il va te manger. La dernière fois, il venait de délivrance là, une veillée, j'ai regardé le possédé. Il dit, même s'il n'y avait pas ma cravate, va bon. Le possédé, si le possédé, que j'ai fait pas mes barrières, allez. Les démons, vous voyez, ils sont très violents. Ils habitent un corps. Tu les chasses. Il a habité un corps. Il a commencé à se manifester. Et c'est ça que quand tu es délivré d'un esprit, il faut maintenir ça. C'est-à-dire conserver cette délivrance. C'est ça que la Bible dit, quand un démon sort, il va, et puis il revient après. C'est ça qu'après après la délivrance, il faut suivre des personnes, il faut les suivre. Sinon, quand la personne ne répare encore dans cette pratique, les démons reviennent. Amen. Alléluia. Quand vous allez commencer à attaquer le démon, vous allez voir quelque chose comme ça se manifester dans votre corps. La maladie dont tu souffres, il y a un démon derrière. Après de il y a un démon derrière. Après de pauvreté, il y a un démon derrière. Amen. Nous allons attaquer les esprits. 2015, là, le démon ne va pas t'accompagner dans l'offre. On dit amen. Amen. On dit amen. Amen. Nous allons chasser tous les petits vilains démons. Nous allons les chasser au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons commencer à prier. Ouvre la bouche et parle. Ouvre la bouche et parle. Commence à parler au démon. 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 Thank you.
quand l'esprit te visite. Là où tu as été, la puissance de Dieu te visite. Lâchez le sang, lâchez son sang. Lâchez son sang, lâchez son sang. Lâchez son sang. Lâchez le sang. Lâchez le sang. Lâchez le sang. Lâchez le sang. Lâchez son corps. Là où tu as été, le feu. Le feu te touche. 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 Ça a commencé à vous toucher. La puissance de Dieu a commencé à te visiter. La puissance de Dieu te visite là où tu es. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La pauvreté a commencé à partir. L'esprit de Dieu te touche là où tu es. Regarde la puissance de Dieu. La puissance de Dieu libère ton corps. Au nom de Jésus, je commande aux esprits de lâcher. De lâcher mon corps. De lâcher mon corps. Au nom de Dieu. Là où tu as été, la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche là où tu as été. Elle te touche. Regarde, quelque chose se passe dans ton corps. Pendant que tes mains sont posées à ta tête, le Saint-Esprit visite tout son corps. Depuis ta tête jusqu'à les plombs de tes pieds, le feu de l'esprit te touche là où tu es arrêté. Ne cherche pas. La pauvreté est en train de partir. Le célibat est en train de partir. Je condamne l'esprit du célibat. Pendant que je parle, je m'adresse à toi, esprit. J'empêche les sœurs de marier. J'empêche les sœurs de entrer dans le mariage. Je te dis, commence de lâcher ça, je t'appuie. Commence. Je m'adresse à toi, puissant de la sorcellerie. Libère ta vie maintenant. Libère ta vie maintenant. Pendant que je parle, quelque chose se passe dans ta vie. La maladie est en train de partir. Jésus est à l'heure. Jésus te touche là où tu es. Arrêtez. La puissance de Dieu te touche. Là où tu as été, la puissance de Dieu te visite maintenant. La puissance de Jésus te touche. Touche. Comment? Force les ténèbres. Lâchez ta vie. Comment? Au démon présent là. Allez, 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 je m'adresse au démon. Allez,
Je demande aux gens, viens, viens, viens. N'aime pas cravate en même temps. Comment? Allez. Allez. Parle aux démons. Lâchez sa vie. C'est maintenant même. La puissance qui est dans le fond de la vie. Lâchez sa vie. Lâchez sa vie. Allez. Allez. Partez. Partez. Maintenant. Feu. 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 Le feu couche sur vos œuvres, ce corps. Lâchez ses corps. Lâchez ses vies. Allez. Feu. Lâche-la. 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 Le feu te touche. La puissance de Dieu détruit ton pouvoir dans ce corps. Lâchez ce corps maintenant. Lâchez ce corps maintenant. Au nom de Jésus. 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 Feu! Là où tu as arrêté maintenant la puissance de Jésus te délivre. Feu! Jésus te délivre. Jésus. De Dieu. Je maudis la présence de la maladie dans vos corps. Je maudis la présence de la maladie dans vos corps. Jésus vous guérit. Jésus te guérit là où tu es arrêté. La force de Dieu te touche. Jésus te guérit. Jésus ton Dieu te guérit maintenant là où tu es arrêté. Reçois ta délivrance. Reçois maintenant même la délivrance. Au nom de Jésus. Reçois la délivrance maintenant même. Reçois la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Démon, quitte ses corps. Quitte ses corps. Lâche-le. C'est un homme. Au nom de Jésus. Quitte sa vie. Je maudis la présence de la maladie dans vos corps. Je maudis la présence de la maladie. Et je proclame ta guérison et ma grâce. Les esprits vous lâchent maintenant. Je commande aux démons de vous lâcher et de vous libérer maintenant. Je proclame la guérison. Recevez maintenant la guérison dans le nom de Jésus.
recevez la guérison et maintenant, dans le nom de Jésus. Jésus te visite. Jésus te guérit. Je demande à ceux qui sont malades d'approcher. Dégagez la chair. Priez la grâce. Priez la grâce. Oh mon âme, allez. Jésus,
Amen. Je vous annonce maintenant que ce soir encore à 20h, nous allons poursuivre encore le programme. Amen. Nous allons poursuivre le programme à partir de 20h ce soir. Programme de guérison, de délivrance. Amen. Je vous annonce que le vendredi prochain, ça ne serait pas à Zaroko, c'est ici. Nous allons démarrer un programme à partir de mercredi, sur mercredi, jusqu'à dimanche. Ça va nous permettre de préparer le bloc. Parce qu'à partir de cette semaine, nous allons venir ici tous les gars de Zaroko. Nous n'allons même pas préparer le bloc après cette semaine. Parce que nous n'aurons pas ce vendredi à Zaroko. Ça sera ici. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Je vous laisse une division de compris. Amen.